Alors, Madame la maire a évoqué dans son discours justement l'atrocité vécue par la jeunesse, par les poilus. Et à ce titre-là, les enfants des écoles de la commune ont souhaité également participer dans les discours et ils vont nous raconter, nous narrer des lettres écrites par des poilus. Alors les enfants, je vous demande de venir. Hier, durant tout le trajet, les populations pressées au passage à niveau et aux gares n'ont cessé de nous acclamer. Les femmes envoyant des baisers, les hommes reprenant avec nous la Marseillaise et le chant du départ. Si c'était en manœuvre, ce serait très amusant. Mais voilà, dans 3 jours. Après-demain, dans 3 jours, peut-être, les balles vont pleuvoir, et qui sait, si j'allais ne pas revenir. Maurice Maréchal, 1914. Merci. Léonie Ferry, j'ai confié cette dernière lettre à des mains amies, en espérant qu'elle t'arrive un jour, afin que tu saches la vérité, et parce que je veux aujourd'hui témoigner de l'horreur de cette guerre. Quand nous sommes arrivés ici, la peine était magnifique. Aujourd'hui, les rives de l'Aisne ressemblent au pays de la mort. La terre est bouleversée, brûlée. Le paysage n'est plus que champ de ruines. Nous sommes dans les tranchées de première ligne. En plus des balles, des bombes, des barres. C'est la guerre des mines, avec la perspective de sauter à tout moment. Nous sommes sales, nos frisques sont en lambeaux. Nous pataugeons dans la boue, une boue de glaise, épaisse, collante dont il est impossible de se débarrasser. Les tranchées s'écroulent sous les obus et mettent à jour des corps, des ossements et des crânes. L'odeur est pestilentielle. Tout manque, l'eau, les latrines, la soupe. Nous sommes mal ravitaillés, la galetouse est bien vide. Un seul repas de nuit et qui arrive froid à cause de la longueur des voyous à parcourir. Eugène, ton mari qui t'aime tant, le 30 mai 1917. Je ne sais pas si je pourrais dormir dans un lit à présent. On est habitué à coucher par terre ou sur la paille quand on peut en trouver. Il y a bien 2 mois que je ne me suis pas déshabillée. J'ai enlevé mes souliers cette nuit pour dormir. Il y avait au moins 15 jours que je ne les avais pas quittés. Je vais te donner quelques détails de comment nous avons passé la nuit dans la tranchée. Celle que nous avons occupée à une longueur de 100 mètres à peu près, construite à la lisière d'un petit bois. Elle est profonde d'un mètre, la terre rejetée en avant, ce qui fait que l'on peut passer debout sans être vu. La largeur est généralement de 15 cm et l'on fait de place en place des endroits un peu plus larges de façon à pouvoir se croiser quand on se rencontre. Dans le fond de la tranchée et sur le terrain, on creuse de petites caves où un homme peut tenir couché. C'est pour se garantir des éclats de but. Adolf Wegel, 1915. Voilà près d'un mois que je ne me suis ni déshabillée, ni déchaussée. Je me suis lavée 2 fois, dans une fontaine et dans un ruisseau, près d'un cheval mort. Je n'ai jamais approché un matelas. J'ai passé toutes mes nuits sur la terre. On dort un quart d'heure, de temps en temps. On dort debout, à genoux, assis, accroupi et même couché. On dort le jour, à midi ou le soir. On dort sur les chemins, dans les taillis, dans les tranchées, dans les arbres, dans la boue. On dort même sous la fusillade. Le silence seul réveille. André Fribourg, 1915. Le 11 novembre 1918, à Tarbes. C'est vers midi que les cloches, bientôt suivies de salves de coups de canon, apprirent à notre ville la signature de l'armistice. La bonne nouvelle se répandit dans tous les quartiers, d'une façon vertigineuse. À toutes les fenêtres apparurent, comme par enchantement, les drapeaux alliés. La jeunesse locale ne fut pas la dernière à improviser une manifestation qui prit un caractère grandiose. Tout l'après-midi, les rues furent parcourues par le cortège de population enthousiaste. Voilà.